Quelle soirée! Quelle incroyable soirée! Je dirais même plus, Christophe, excusez-moi de vous interrompre, mais je dirais quelle semaine! Il y a quelques jours, il était presque viré. On ne devait plus le voir et maintenant il est champion. Mais quelle est cette musique? C'est pas la musique de. Pas une musique de la WWE. On la connaît pas cette musique. Qui est là? Qui ose interrompre le sacre, la communion avec sa C-Nation? Qui ose faire résonner cette musique? Qui est là? Ben, je ne sais rien, Philippe. John Cena n'en a pas la moindre idée. Il est d'ailleurs en train de. Oh my god! Mais non! CM Punk! Ah non, pas le nom, on n'a pas le droit de le dire! CM Punk! On n'a pas le droit de le dire! CM Punk! Donc, qu'est-ce qu'il vient faire là? Avec. Il y a deux ceintures! Il y a deux champions! Il y a deux ceintures! Qui est le vrai? Qui est le bon? Est-ce qu'il est de retour? The best in the world, baby! CM Punk! Alors ça c'est un. Je n'y comprends plus rien. C'est lui! Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il y a un vrai souci. Hein. John Cena a été battu par cet homme lors du dernier pay-per-view. Vous vous rappelez bien sûr de la stipulation. Si CM Punk gagnait, eh bien il partait avec la ceinture. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Eh oui. Cena devait être ensuite, eh bien remercié. C'est ce qui n'a pas vraiment été fait, ce qui a failli être fait d'ailleurs. Mesdames et messieurs, on se croirait à la natation. On a deux champions de la WWE. Ils vont se faire face. Mais qui est le vrai? Est-ce qu'il est de retour, CM Punk? J'ai hâte. CM Punk face à John Cena, moi je n'y comprends plus rien. Tiens, moi je vais ouvrir ma lettre, tiens. C'est le Triple H que j'avais là depuis tout à l'heure. Alors. Quoi? Christophe, vous savez quoi? C'est devenu n'importe quoi cette fédération. Deux champions, deux ceintures, moi je n'en peux plus. Vous savez quoi? C'est même pas sûr que je sois là la semaine prochaine. Parce que je l'ai décidé après avoir lu cette lettre. Il y a un homme de trop. Il y a un champion de trop. Il y a une ceinture de trop. Alors vous savez quoi? Ben moi je sais même pas si je vous dis la semaine prochaine. Et on se retrouve quand même tout à l'heure sur RTL9 pour la suite des événements au moins ce soir. Il y a Superstar.